YouTube. Voilà, on est au courant. Donc, maintenant que cette mini-pause est faite, je vais quand même remettre un truc de 40 minutes parce que peut-être que j'arriverai à la couper, cette rediff. Moi-même, mais bon. Bref. Moi, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus rien. Je remets 40 minutes. Bonjour à vous. Et re-bienvenue, si tout se passe bien. Et voilà. On va jouer à ce magnifique jeu qui est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Qui est fort spécial. C'est comme le niveau des wagonnets. Oh non. Ne me dis pas ça. Accélérateur de vitesse. Accélérateur de vitesse. Accélérateur de vitesse. Accélérateur de vitesse. J'ai touché la voiture sur le mur. Ah, on est directement dans l'ambiance là, hein, dans l'action totale. Méfiez-vous derrière vous parce que... Mais au pire... Pourquoi tu... T'es à l'extérieur, t'es plus dans le tunnel. Pourquoi tu... Te décales pas du coup? Allez, bim, les feux! Ah, oh, je suis passé à gauche, il y avait plusieurs choix. Ok. Il y a des cailloux sur la voie. Non, mais tout va bien. J'imagine que ça dure longtemps et que c'est aussi amusant tout le long. Je passe à droite! Non, bah non, non, apparemment je peux pas. Oh my god, j'ai pas tardé à mourir! Accélération! Direction de Poudlard! Va pas tarder! Prenez l'accélération, s'il vous plaît, ne pas rater l'accélération! Non, mais... Oh, le monde tremble! C'est bon! On y va, là? Ok. Tout va bien. Oh, j'ai eu un coup de stress, hein. C'était chaud patate. On y est presque. Récupère les outils pour préparer... C'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé. Accrochez vos ceintures, relevez vos tablettes, bordel de merde. On ramasse maintenant des clés pour réparer la voiture. Et on prend aussi des accélérateurs d'accélération de vitesse. Et là, on ne part pas, parce qu'on pourrait partir, mais non, on décide de rester sur la voie, parce qu'on est des gros bolos. Hein, on est des étudiants bolos. Bah, bien sûr. Bah, ici, je risque rien, non? Ah, oh, bordel de feu rouge là, sur la voie. Y'a pas tant de feu que ça pour des trains. On a chopé le truc là, on est beaucoup trop rapide pour le Poudlard Express. Ah, 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 ah. Le wagonnet! Non, c'est pas là. Non mais le jeu il te met une clé de réparation juste derrière. Oh, on a une carte. Super. Super. Merci Louise. On va retourner sur la voie, Ron, ou comment ça se passe? Non, c'est bon, là. Ah. C'était éprouvant. C'était éprouvant.
Pourquoi l'univers de Harry Potter est aussi enclin à des jeux de mots là? Salas. Je ne pas qu'on réussirait à sortir du tunnel. Ah ouais, ça je sais pas. Super Harry, c'est Poudlard. Ah, c'est Poudlard tout pixelisé et sans relief. Super. Passe derrière cette texture et nous pourrons atterrir. Voilà, magnifique. Quelque chose qui cloche avec la voiture, Ron. Je n'arrive plus à la diriger. Un classique, un classique. Attention à l'arbre. Voici le magnifique Saul Cogneur. Ah. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Si tu t'approches de l'arbre et que tu jettes un sort dans sa bouche. Ah, il faut qu'il ouvre la bouche aussi. Oui, le saut a une bouche, c'est comme ça. Pouah, je me prends des coups de bagnole, mais je me relève. Je me relève. Je me relève, Harry Potter. Titanium. Voilà. Dans la bouche, Harry. Mais ah, bon sang de merde. Allons manger du chocolat en grenouille. J'en entends. Ah super, ça régène beaucoup de vie, je suis ravi. Ok. Mais sérieusement, je me suis fait avoir par une espèce d'onde de choc, de quoi là? C'est bon? Open your mouth. Vise la bouche, ben oui, je sais. Harry par terre. Ce sera lui ou moi? Ce sera lui ou moi? Ce sera lui. Dans pas longtemps, on va pas tarder à voir Snape et McGonagall. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Ah, ça va être la fin d'un livre. On va encore avoir une... Oh yes, oh yes. Ah bah non, on va pas voir McGo. Quand Harry et Ron réussirent à échapper au sol cogneur, mais ses têtes, la cérémonie de la répartition avait déjà... Merci, A Gain Life, merci beaucoup. Trois verrues et un galion. Il avait réparti les nouveaux élèves dans les quatre maisons de Poudlard, comme il l'avait toujours fait. Harry se rappelait très bien le moment où il avait lui-même coiffé ce chapeau un an auparavant. Pendant quelques instants terrifiants, il avait craint que le chapeau ne l'envoie chez les Serpentards avec Drago Malfoy. Pas à Serpentard. Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Mais on le sait déjà, ça. Il s'est finalement retrouvé à Gryffondor avec Ron et Hermione. Alors qu'il regardait la répartition, Harry s'aperçut qu'un professeur manquait à la table. Dis donc, où est Rogue? Derrière lui, Harry entendit tout à coup la voix qu'il redoutait le plus. La voix du professeur Rogue. Oh. J'attends de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. L'année commence bien, pensa Harry, en suivant Rogue dans son bureau. Là, Rogue les réprimanda sévèrement pour avoir fait voler la voiture jusqu'à Poudlard. Allez immédiatement dans votre salle commune, et je vous assure que vous serez puni. Oh! Vous allez être puni? Putain! Ah! J'essaie de remonter, c'est toujours un calvaire! Ah, ces tableaux, mais regardez cette beauté. Et cette intro est toujours aussi longue. Hein. De retour à la maison. Allez, on y va! T'as vu la chance qu'on a?
Fred et Georges ont dû voler une bonne demi-douzaine de fois avec cette voiture et ils n'ont jamais eu d'accident. J'étais sûre qu'on allait nous renvoyer. Écoute, Ron, on va aller à la salle commune de Gryffondor. Tu te souviens du chemin ? Mais oui, suis-moi. Monte le toboggan, là. Help. Au secours. Et c'est reparti pour une ambiance de folie dans les couloirs de Poudlard. Ouais, bon, on va pas se faire chier, là. Harry Potter ne doit pas rester à Poudlard. Bah dis donc. Donc au lieu de ne le renvoyer de Poudlard, on préfère lui couper la tête. Ok. Oh putain, mais cette musique absente. Waouh, Harry Potter. C'est vraiment toi. Je suis Colin Crivet. Moi aussi, je suis à Gryffondor. Ah, ils sont tellement beaux. Si je prenais une photo de toi, tout le monde m'a raconté comment tu as survécu quand tu sais qui a essayé de te tuer. Et tu as vraiment une cicatrice en forme d'éclair sur le front. C'est super ici, non? C'est encore Brigitte Lecordier, non, qui fait le doublage. Elle est partout. On est d'accord qu'il y a un passage derrière ces bibliothèques, là. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord ou pas? Non? Non. En fait, non. Putain, quel vandale! Qui montre à l'homme... Ah, attention, attention! Rentrer droit dans le sol cogneur avec une voiture volante, on en parlera encore pendant des années. Quelle arrivée super! On ferait mieux d'aller à la salle commune avant que Rob nous repère. Ok, vas-y. On va à la salle commune, y a pas de problème. Je... À droite ou à gauche, ta salle commune? À gauche, hein. Oui, sûrement à gauche. Après, les murs n'arrêtent pas de bouger à fur et à mesure que j'avance, donc c'est pénible. Non, c'était pas Neville, ça. Neville, il est bien pire que ça. Oh, on saura le reconnaître, hein. Waouh! Pouah, ce flash! C'est terrible! Eh, hey, tu pourrais... Ouais, tu vois bien là qu'il y a quelque chose, allons! Ah, mais il n'y a plus de piles dans ma baguette. Il n'y a plus de piles. J'ai récupéré une vapoteuse encore. Je crois que c'est ce qu'a dit le joueur du grenier, mais c'est exactement ça, la vapoteuse. Flash. Le flash qui illumine tout Poudlard. Ah, putain. Regarde, le bureau de Lockhart. Je me demande comment il fait pour passer sa grosse tête par la porte. Ça, c'est le bureau de Lockhart. Il a mis un cadenas dessus, hein, donc... Ah, oh, putain. La vapoteuse. Harry Potteuse. Ah, putain. Le flash thermonucléaire. Ah, non. Arrête de me faire rire. Ça me fait rire. C'est pénible. Harry Potter et la vapoteuse à la menthe. Eh, c'est fou cet escalier, là, il y en a partout. Il y a des oiseaux à l'intérieur, vous ferez gaffe. Ah. Mot de passe. groin de porc. Caput draconis. Désolé, ce n'est pas le mot de passe. Oh, zut. On ne connaît pas le mot de passe et la grosse dame ne nous laissera pas entrer. Toi, tu attends ici. Si jamais un élève de Gryffondor passe, moi, je vais chercher Hermione. Elle le saura.
Elle a l'air en joie, elle aussi. Hermione! Tu es avec Ginny? À la bibliothèque, bien sûr. Évidemment. Évidemment. La chirurgie a mal tourné. Bonjour! Bonjour, Harry! Quelle belle journée! Ah, quelle belle journée! Vous avez l'air content, Nick! Très content, Harry! J'ai envoyé une lettre à Sir Patrick de l'année Pottermore. Ma candidature au club des chasseurs sans tête. Comme je l'ai déjà dit à votre amie Hermione Granger, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Ah, vite! Il fallait Hermione stopper là. Bien sûr! Mais faites attention, il y a des livres plutôt méchants par ici. Utilisez votre sortilège. J'ai raté une occasion de. Pour les remettre en place. Ok, Nick, quasi sans tête, a mis des piles dans ma baguette. Une grande. Allez, vas-y là. La vapoteuse est chargée. C'est parti. Mon qui est. Non. Ok, abandonné. Attention, livre méchant. Mais genre, je t'ai pas eu là? Remarquez qu'on n'a pas rechargé ma vie depuis le combat contre l'arbre. Oh. Oh. Mais il y a un passage secret là. Tout le monde le sait. Allez, Harry. Oh, ça donne des points à Gryffondor. Mais moi, je veux pas des points, je veux de la vie. J'ai besoin de chocolat. Hermione, attention! Une encyclopédie, Buldu! J'arrive pas à le tuer. Si, ça y est. Attends, y a pas du chocolat, là? Mais regarde ça, là, passage secret! Attention, Hermione. Je n'arrive pas à croire que toi et Ron vous êtes si irresponsables. Vous auriez pu vous faire tuer. Elle est presque belle face à Ginny, franchement. Le mot de passe pour la grosse dame, c'est Antochère. Si vous étiez arrivé à temps, vous le sauriez. Harry, n'oublie pas de consulter ton bulletin. Eh oui, bah oui. Vous avez détruit les livres de la bibliothèque. 100 points pour Gryffondor. Elle a un déhanché en plus maintenant. À votre place, j'irai dans la salle commune avant que Rogue ne vous attrape. Hermione Granger. J'étais dans la bibliothèque. Dans la section des livres pour adultes, Hermione. Surtout une scoliose. Oh putain. Pourquoi Hermione n'est pas en uniforme? Ben parce que Hermione Granger, elle était dans la bibliothèque. Stop it, Ron. Bon, bref. Antochère. Harry, il faut qu'on aille à la salle commune. Regarde-la. Regarde la grosse dame. Elle en peut plus. Elle est sur le point de s'effondrer. Mot de passe. Antochère. C'est quoi cette imitation? Je sais pas, une imitation de on quoi? On a réussi! Il paraît que cette année, on peut gagner la coupe en botanique et en défense contre les forces du mal si on est bon. Ce serait bien si Gryffondor la remportait! Mais ça existe pas! Fichez-vous tous les deux, le cours de botanique va commencer. Je n'ai pas envie d'être en retard. Alors ça, j'ai pas du tout envie, hein! Me manquait. Allez, viens.
Attention! Attention, hein! Tu as déjà entendu parler du duel des fondateurs? Ah, oh, je veux pas de duel. Il y a une statue derrière nous. Tu peux t'en servir pour trouver l'entrée des duels des fondateurs. Essaye de vaincre chaque duelliste pour gagner une carte des sorcières à notre connaissance. Je veux pas. C'est là que tu interviens. Je veux pas. Faire un duel. Les Merci, au revoir. Les sorcières et sorciers célèbres sont très difficiles à trouver. Alors, on veut bien t'en vendre 5, Harry. Et on te donnera une carte des sorcières et sorciers célèbres. Désolé, Harry, mais si tu veux une carte des sorcières et sorciers célèbres, il faut que tu nous donnes 50 dragées surprises de Bertie Crochu. Ignatia Will Smith. Mais j'ai rien d'accepté de te donner, là. Il m'a pris mes 50 dragées. Revoir tes aventures. Mais avec plaisir, installez-vous sur ce bon gros fauteuil. Waouh, la salle commune de Gryffondor. Cette bouche. Je vais prendre une photo et l'envoyer à papa. Regarde mon album photo, Harry, là, sur la table. Ce ne sont pas des photos ordinaires, elles sont magiques. Regarde mon album photo, vas-y. Tu savais qu'en mangeant un choco-grenouille, tu... Je sais. Oui, je sais. Allez, boum. Calmez-le. Calmez-le. Encore un regarde petit... mon album photo, Harry. Là, sur la table. Mais c'est pas... Ah, mais c'est tes albums, ça? Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Là, ce sont mes nudes. Ah. Mais stop! Mais non, mais non, mais la pauvre Ginny! Déjà, il n'y avait même pas Colin. Pourquoi il a... il pouvait pas prendre la photo en plus? J'en peux plus. Ah, merde! Attendez. Faut ce screen. Je pense que... c'est pour... Ginny la tolarde. Moi, quand je vois ça, j'ai ça en tête. Vas-y. Bon, oublions ce massacre. Waouh! Harry dans la voiture. Harry des gnomes le terrier. Harry au terrier. Ah, c'est fini. Bon, apparemment, il y a des cartes des sorciers et sorcières célèbres à l'intérieur. Et on les a pas récupérés dans les niveaux, donc c'est pour ça que tu peux les rejouer. Malinx! Bienvenue, William Cool 009. Bienvenue. Bienvenue. Bon, l'année scolaire n'a toujours pas commencé. Hein. J'aimerais bien voir la première personne pétrifiée, là. J'en ai assez. Et attendez! Imaginez quand on va voir Mimi Géniard. Imaginez quand on va voir Hermione Granger transformée en chat. Non, c'est dehors et pourtant on monte. Prépare.
Ah d'accord, on a fait le tour de Poudlard. Super. Je trouve il ça normal. Sortir pour aller au cerf. Si on sort, on va à Auxerre. Sol Cogneur. M'en parle pas. Merci Guigui 2515. Merci beaucoup. Musique, où es-tu? Je ne sais pas là. Ça va mieux. Des courants d'air dans ce château, fermez les fenêtres. C'est toujours l'introduction. Oh, pardon, excuse-moi. La botanique, c'est par ici. Mais guide-moi. Ah, c'est près de là où on peut tomber? Ah, on peut pas tomber. C'est très sécur. C'est très très sécur. Mettre une petite barrière, non? Il y a botanique maintenant. Oui, merci. C'est super. Voilà, la caméra tourne toute seule. Hein. La caméra tourne toute seule. Que se passe-t-il? Non mais la caméra, la caméra. La... Stop. Olé! Super. Ça y est? Je ne touche plus à la bouteille, j'allais dire. Tout va bien? J'avance. Putain! C'est quand j'avance. Attends, je vais t'avoir. Je vais choper. C'est bon. Ça le fait plus. Mais... Ça recommence là. Oh god. Non, c'est bon. Je sais que c'est lui, c'est Neuville ça. Ça, c'est Neuville. Je suis sûr que c'est Neuville. Je vais essayer de trouver les caves maudites de Poudlard en parallèle. Bonne chance, l'Emeric. J'ai entendu parler de la voiture volante. Ah. Non, c'est pas Neuville, ça. Le professeur Chourave m'a posté là pour montrer le chemin de la serre numéro 3. C'est par là. Mais... Non, c'est pas Neuville. Ça, c'est pas Neuville. Neuville, il est plus comme ça. Par contre, tu es un piquet, hein. Le professeur Chouraf t'a posté là, enfin, elle s'est foutue de toi. Hein. Je pense que ça vient pas du jeu, mais de la manette. Ça a dû enregistrer parce qu'il y a une touche pour tourner la caméra. C'est la porte du cours de botanique. On y va, Harry. Bon, il y aura un élève en moins parce qu'il est dehors en train de dire aux autres qu'il faut aller là-bas. Alerte disparition, Neuville a disparu. Bah j'aimerais bien le voir. On va forcément le voir, non? Est-ce qu'il a une réplique importante dans Harry Potter 2? Est-ce qu'il y a un moment où il fait une action de fou? Je me souviens plus. Va en cours de botanique avant que le chrono ne s'arrête. Passe à travers les sabliers flottants pour déclencher le chrono. Ils ont tous l'air d'avoir 50 ans. Pour te rendre en classe, le professeur Chourave va te récompenser avec un truc spécial. Super. C'est parti. Super, super, madame. Il faut être dans le chrono, hein. C'est génial, ça marche bien. Un truc spécial, bah, on va avoir une carte de sorcier célèbre. Et c'est des feuilles et des fleurs parce que c'est la botanique. Oui, oui, il y a des épreuves pour aller en classe. C'est... Vous avez pas ça dans votre collège? Ah, vous devez être dans un collège public. Dans les collèges privés, c'est comme ça. C'est... Comment on grimpe? Alors, je t'assure que je vais pas battre leur corps. Ah, par contre, faut passer par là. Attendez-moi pour commencer la leçon, s'il vous plaît. Ça va péter, hein.
Ah, nom de Dieu, c'est pas fini. Ça va péter. Ok. Bienvenue en deuxième année de botanique, Monsieur Potter. Comme elle est belle. Ah, la bombe a pété. Coucou Flandra. Et coucou Dalita. Quand je pense que ça amusait ces épreuves avant les cours. Ça m'amusait. Ça t'amusait ces épreuves avant les cours, Dalita? Vraiment? Ah, c'est... C'est un petit groupe de TP, hein. On est 5 dans la classe. Je suis le professeur Chourav. J'enseigne la botanique. Soyez prudent avec la tentacula vénéneuse. Elle fait ses dents. Vous pouvez avoir un B ou un C dans ma classe. Les meilleurs seront récompensés. Faites au mieux. Regardez ma baguette magique lorsqu'elle se déplace sur l'écran, puis appuyez sur les symboles qu'elle montre. Refaites le tout 3 fois pour apprendre le sort Incendio Duo. Prêt? Ah oui? Essayez encore. Mauvais. Mais j'ai rien fait. Mauvais. Bien. Bien. Mauvais. Mauvais. Parfait. Mauvais. C'est tout. Mais j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Essayez celui-ci. Oh là là. Mauvais. Parfait. Attends, je suis pas... Parfait. Bien. Elle prévient pas aussi. Mauvais. Ah putain, j'en peux plus. 66. Bravo. Maintenant, allez, je suis prêt. Dès le début, ça va être parfait, là. Bien. Parfait. 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 Alors là, si j'ai pas une bonne note avec ça... Potter, vous avez une très bonne note. Suivez-moi dans la serre numéro 3. Là, on a eu un bruh. On apprécie la variété des lignes de dialogue. Bah, c'est très... Oui, oui. En fait. Bon. On continue. Suivez-moi dans la serre. Putain. En plus, c'est même pas drôle, mais ça me fait rire tellement fort. On passe au niveau suivant dans la serre 3 et à la fin, il en reste un. Arrêtez. Tu veux une baguette magique dans la numéro 3. Tu es mauvais. Professeur Chaudière. Le jeu? Comment ça se passe? Ça va? Ça va? Ok. En fait, de temps en temps, il faut lui secouer la fenêtre. Ah, on a le cache-oreille. Et c'est un cours particulier? Il n'y a que moi, madame? On peut laisser la porte ouverte? Regardez la tronche. En bas à droite. La mandragore, cette gueule. Je ne peux pas m'échapper, hein.
J'essaie de l'esquiver. Ah, le prédateur numéro 3. Ceci est une mandragore. Son cri est très dangereux. Voilà pourquoi il faut des cache-oreilles. Il faut que vous ramassiez au moins 3 mandragores dans cette serre. Plus vous ramassez de mandragores, plus vous gagnez de points pour Gryffondor. On peut te rire. Le truc en bas à droite, il est là, tuez-moi, je ne veux plus vivre. Bon, très bien, bah, je vais m'en occuper tout seul, puisqu'apparemment mes camarades, eux, ont fini plus tôt. Ils sont sûrement déjà dans la queue pour aller bouffer. En plus, ce midi, c'est frites. C'est un papillon, ça. Hein. Et ma vapoteuse n'a plus de piles, encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont grandes. Ah, attends, la meilleure. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Hermione? Elle arrive comme ça, tu vois. Regarde, la mandragore se fait attaquer par des limaces géantes. Éloigne les limaces de la mandragore avec le sort Incendio Duo. Incendio Duo. Quand les limaces sont éloignées, utilise le sort Wingardium Leviosa pour les arracher. Mais tu pourrais... Bonne chance, Harry. Elle s'en va, puis elle se retourne. Tu pourrais te refagoter, là, j'en ai marre. L'icône en bas à droite, putain. C'est vrai que c'est ressemblant. Incendio Duo. Et du coup, Wingardium Leviosa. Et j'en fais quoi moi maintenant? Très bien, hein. Ressemblance 99,9%. Elle est partie où Hermione la biatch là, parce que... En fait, vous savez, la prochaine fois que... Attendez. Il faut que je trouve une musique. Oh, comment ça s'appelle? Ok, la prochaine fois qu'Hermione arrive, on met ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est ça? C'est ça. La prochaine fois qu'elle arrive. Elle marche comme ça. Attends, je veux le moment où il claque des doigts, moi. C'est pas tout à fait celle-ci que je cherche, là. Il y avait une autre musique, là. C'est ça? C'est ça que je veux. La prochaine fois qu'elle arrive, c'est ça. Elle arrive comme ça, là. Hermione! Bah écoute, c'est marqué 1 million Paco Rabanne, voilà, ouais, je sais pas ce que c'est la vraie musique. Incendio. Oh, mais il y a une limace gold. Remballez vos golden membres. Incendio. Il y a des limaces gold. La monétisation fout le camp, merde. Incendio. Et elle ne donne pas spécialement de plus de points, super, donc la limace gold, plus jamais. Je me fais bolos par une limace. Incendio. Hermione Million. Incendio.
Ok, et donc Wingardium Leviosa. Palpitant, palpitant. Hermione, c'est toi? C'est toi? Je suis désolé. Ouvrir la porte. Le problème, c'est que t'es obligé de tuer les limaces. Incendio. Putain, il faut 4 incendios, quoi. Incendio. Incendio. Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est bon. Wingardium Leviosa. Ce bruit. Bon, on a les trois, c'est bien. Et maintenant, nous repartons dans une ambiance intersidéral. Oh. En direction des choses d'autres. Voilà. Super. Donc là, nous grimpons à une marche. Elles sont pas très praticables, vos serres. Hein. Je veux pas dénoncer, mais bon. Mais je le dis quand même. Et voilà. Et donc on avance tranquille. Hein, voilà. Puis nous grimpons. Bon, et nous tournons, et des limaces. Mais je croyais qu'il en fallait que trois des trucs. Incendio. Mais c'est quoi ça? Elle a pas dit qu'il en fallait trois? J'espère que je vais avoir Incendio. Le cadeau spécial. God. Elle vient de mourir. Elle vient de mourir, la Mandragore. Il faudrait qu'on finisse ce cours pour faire une mini-pause. Vite avant, voilà, on va se dépêcher avant que le chou se fasse bouffer. Incendio. 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 Mais j'ai pas le temps là. Ok. Wingardium Leviosa. Bon, on en aura 4, on aura bien des bonus, non? Toi, Cass, tu penses que c'est les marches qui sont grandes ou c'est moi qui suis trop petit? Putain, c'est infini, non? Ah ok, on arrive de l'autre côté. Je reconnais. Donc c'est bon. C'est moi ou une armoire est apparue ici? Je sais pas.
Madame! Non! Vous avez sauvé la plupart des mandragores. 25 points pour Gryffondor. Vous pouvez partir, Monsieur Potter. Ne passez pas par la porte, voyons. C'est bien trop commode. Il pouffe une armoire. Oui, oui, bah pourquoi pas. Écoutez, fait ce qu'il veut. Il est dans Poudlard. Voilà. Voilà, voilà. Et lui, il est toujours posté devant parce que la serre numéro 3 est par ici. Tu peux essayer de battre le record de l'école pour la course du cours de botanique si tu passes cette porte. Non, non, mais je veux pas. Je veux pas. Quoique, est-ce que c'est pas ce que je veux? Battre... Quel es-tu? Qui es-tu, toi? Tu savais qu'on pouvait aller en cours de botanique par le passage secret qui est là? Ben oui, je viens d'y aller. Il t'emmène droit au cours et tu peux améliorer ta note. Bouffonne. C'est bien trop commode, passez plutôt par l'étagère. Ah, je croyais qu'on a capté un jeu de mots très subtil. Ok, ok. Alors, avant de faire la mini-pause, on veut battre le record de l'école. Je veux battre le record de l'école. Au final, Neville ne sera pas apparu. Bah, je pense qu'il est plutôt dans nos cœurs, tu vois. Mais c'est, ça me paraît bizarre. Cette armoire était un mur. Ok. T'es prêt, revenu pour essayer de battre le... Fuck you. Le record de l'école, le record de l'école, le record de l'école. Et c'est parti pour le record de l'école. Hop, 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 hop. Ça, c'est mal barré, mais le record de l'école est parti. Hop. Oh là là, au vol, on a rattrapé le coin. Allez, Lara, là, on y va. Oh, c'était de l'autre côté. Abandonner tout. Redémarrage. Ah. Ouh, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. La foule est en délire. Vais-je rattraper encore le coin de manière exceptionnelle? Pas du tout, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis motivé. Sans chargement, s'il vous plaît. Ouais, 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 ouais. C'est ça qui est exceptionnel. Bien joué, Monsieur Potter. Prenez cette carte des sorcières, des sorciers célèbres, et retrouvez-moi en serre numéro 3. Oh, poney. Oh, c'est terrible. Non, l'autre côté. Ah, ouais. Ouf. 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 Mauvais. Très bien. Vous avez battu un nouveau record. Voici la coupe du challenge de botanique. Quoi? Oui. Bravo. Voulez-vous entrer dans la salle de classe? Non. Mais on s'en fout de ta coupelle. Moi, j'arrête là. C'est bon, ça m'a gavé. Faisons une mini-pause. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas rejoindre la chaîne, Brie. Ah, je ne sais pas pourquoi non plus, je suis désolé. Je ne sais pas. Parfois, c'est un problème de carte bancaire. Parfois, c'est un problème de pays. Je ne sais pas. Bon, plus jamais on refait ça, puisqu'on sait maintenant que ça donne des coupes pourries. Bref, on essaie de couper. Tu vois, on est sur quelque chose...